Bonjour Grégoire. Bonjour. Très tôt, en fait, ma composition a tendu dans ce genre de chanson, c'est-à-dire l'idée qu'elle soit populaire et qu'elle soit qu'elle tende vers la variété. Pas du tout, je voulais pas être sectarisé dans un style très précis, mais très pop, enfin pop folk. Très vite, je me suis créé ma voix en m'écoutant, en m'enregistrant, comme ça, j'ai jamais pris de cours de quoi que ce soit. Et donc vraiment d'avoir la voix que je voulais entendre, qui tendait vers, je vais pas prétendre du tout chanter comme Cat Stevens ou Springsteen, mais cette idée de vraiment d'écorcher vif, dérailler, et donc je me suis façonné ma voix comme ça. Et après je l'ai peaufiné, et j'ai eu la chance de rencontrer Franck Otier, avec qui j'ai enregistré mon album, qui a vraiment compris ma démarche, mais compris, entre guillemets, mes certaines qualités musicales, mais surtout mes défauts, et qui a su mettre en valeur, et qui a su comprendre là où je voulais aller. Donc dans tout ce qui est la simplicité, sans forcément faire de la facilité, mais dans ce côté très écorché vif, très brut et très naturel. Retrouve-moi, rue des étoiles, la deuxième après Jupiter, je connais un endroit pas mal. Dans le clip, j'avais demandé moi un esprit petit prince. Je voulais un dessin justement assez naïf. Je voulais quelque chose d'assez simple, quelque chose de voilà, pas très compliqué. Et toujours, il y a juste cette image à la fin où il y a cette idée-là que la Terre va un jour disparaître et qu'on vivra sûrement dans l'espace. C'est probable, possible, en tout cas je pense pas que je le verrai de mon vivant, mais il y a cette idée de se dire bon ben un petit peu une invitation au voyage futuriste où on se retrouve, et j'aime bien cette idée de sentiment très simple, très brutal, et pas essayer de, c'est comme voilà les relations de couple, j'ai tendance à me dire que dire je t'aime, au lieu de calculer, de se dire je t'aime pour que l'autre nous dise je t'aime, etc. On dit les choses si on a envie de les dire, on n'essaye pas de calculer, on n'essaye pas de se dire tiens lui il a fait ça, alors moi je fais ça. J'aime bien cette idée de quand on aime, on ne compte pas. Toi et moi. Toi et moi. Moi j'ai voulu vraiment faire des choses en tout cas sincères et honnêtes. Et je pense que quand on fait ça, les gens le sentent. Et quoi qu'il arrive, même s'ils n'aiment pas le style de musique, on a tendance... Enfin, en tout cas, moi, c'est ma démarche. Si j'aime pas forcément le style de quelqu'un, si la personne le fait honnêtement, j'ai tendance, quoi qu'il arrive, à le respecter. Et donc, voilà, après, voilà, j'ai pas cherché à faire quelque chose de grandiloquent. Moi, je faisais des chansons. Pour moi, c'était une évidence, une obligation de faire des chansons. Donc, j'ai essayé de pousser des portes, parce que de toute façon, à 50 ans, j'aurais toujours fait des chansons. Donc je voulais pas m'arrêter en me disant mais si j'avais tenté. Donc j'ai tenté, j'ai eu la chance qu'on ouvre les portes. Tu sais que j'ai du mal encore à parler de toi. Il paraît que c'est normal, y'a pas de règles dans ces jeux-là. Tu sais j'ai la voix qui se serre quand je te croise dans les photos. Tu sais j'ai le cœur qui se perd. Je crois qu'il te pense un peu trop, c'est comme ça. C'est comme ça. En live, je serai accompagné d'un groupe, effectivement, de 5 personnes qui sont très talentueuses. C'est-à-dire un pianiste, 2 guitaristes, une basse et une batterie. C'est surtout pour moi le live autre chose que l'album. C'est quelque chose de plus, c'est un peu mon moment de vérité aussi. Mais c'est surtout, j'avais pas l'envie de reproduire exactement mon album, parce que dans ces cas-là, autant rester chez soi et écouter l'album, c'est plus simple, mais vraiment donner quelque chose de vivant. Bon, c'est le mot, la traduction du mot live. Donc de faire quelque chose et de faire participer le groupe.
Et vraiment, voilà, c'est ce qu'on est en train de faire, d'aménager un peu les morceaux pour la scène. Il n'y aura pas forcément tous les mêmes instruments, mais c'est la même ambiance et les mêmes morceaux. On rajoute quelques petites choses. J'aurais aimé tenir ta main un peu plus longtemps. J'aurais aimé tenir ta main un peu plus longtemps. J'aurais aimé que mon chagrin ne dure qu'un instant. Il y aura des inédits déjà qui seront faits en guitare voix, donc que j'ai voulu non arranger. On n'a pas du tout réfléchi à un arrangement, ça va être vraiment brut de pomme tel que la chanson. Et après, il y en aura une particulière que je ferai dans une version qu'on connaît peu et qui finira normalement dans sa version connue. À bord de mon vaisseau spatial, on se rappellera la terre. La terre.